Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure où vous êtes, où vous nous recevez. Je suis Douglas Chilombo. Je partage avec vous la parole de Dieu. Soyez le bienvenu encore dans notre chaîne, dans la chaîne de Bosolo Nzambe officiel. Aujourd'hui, nous allons, comme toujours, partager la volonté, la parole de Dieu. Nous allons être dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 jusqu'au 21e chapitre. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 jusqu'au 21e chapitre. Aujourd'hui, nous allons exploiter la faiblesse et la puissance de Dieu. Entre la faiblesse de l'homme et la puissance de Dieu, s'il faut bien les peler entre la faiblesse et la puissance de Dieu. Donc, nous allons étudier aujourd'hui, c'est Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, qui nous a écrit les Corinthiens. C'est un livre qui s'est adressé aux Corinthiens. Nous allons lire des Corinthiens, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 21. Et si nous avons la chance, nous allons expliquer les contenus et nous allons donner aussi la profondeur selon la grâce divine de Dieu. Nous nous reconnaissons pécheurs devant le Tout-Puissant. Nous nous reconnaissons pécheurs devant Son Excellence Dieu qui nous a créés. C'est pourquoi, avant de commencer notre émission, nous aurons l'amabilité de pouvoir et la simplicité de pouvoir faire une prière directe à notre Seigneur. Moi, je suis Douglas Chisumpa Chilombo et j'ai aimé à partir de Montréal, Canada. Si vous suivez cette émission est faite en français, mais d'habitude, nous avons des émissions aussi en anglais. Donc, soyez les bienvenus. Si c'est pour la première fois que vous nous croisez, n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'ici, nous partageons la parole de Dieu. L'émission consiste à lire tout un chapitre. Nous lisons les chapitres complets. Nous ne donnons pas de versets pour simplement aller méditer dessus, mais nous faisons la lecture de tout un chapitre, tout un livre. Comme ça, nous avons au moins l'espérance d'avoir une idée de ce qui s'est passé et de pouvoir méditer sur la profondeur de cette parole. Nous prions, nous te remercions, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'éternité, Dieu Père Céleste. Nous reconnaissons notre faiblesse devant toi et nous venons vers toi pour te prier que tu puisses nous soulager de nos souffrances et nous aider dans notre faiblesse. Car ta parole est faite chair, car ta parole vit dans nous, car la parole est tout ce que nous avons reçu de toi et c'est par ça que tu nous donnes ta force et ton amour. Nous te remercions de cette opportunité encore aujourd'hui. Sois béni au siècle des siècles, ainsi par ton nom, au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. 2 Corinthiens 12, chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il faut se glorifier. Trois points de suspension. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'abstiens en fait que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'orgueillir. Entre parenthèses, lorsqu'il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis une écharde ».
dans la chair. En fait, l'apôtre Paul nous signale ici qu'il avait le cancer. Donc c'est d'ailleurs ça qui l'a tué. Il est mort du cancer. Oui, l'apôtre Paul est mort du cancer. Ici, des Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et j'ai été un insensé. Vous m'avez contraint. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par l'excellence, quoique j'en sois rien. Les épreuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience de toute épreuve, car par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi vous avez été traités moins favorablement que les autres églises? Sinon, à ce que je ne vous ai point été à charge. Pardonnez-moi, c'est tort. Voici, par la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Soit, je ne vous ai point été à charge, mais un homme astucieux. Je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par lesquels, par quelqu'un de ceux que vous y ai envoyé? J'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui j'ai envoyé les frères. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? Tite ici c'est Timothée. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui, j'ai envoyé les frères. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur le même trace? Vous, vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous, c'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver, à moins arriver tel que je voudrais. Oh, pardonnez. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. Et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ici, la parole de Dieu vient nous montrer que Paul, l'apôtre qui a écrit presque la moitié de tous les testaments, le Nouveau Testament, nous fait une confidence ici qu'il était, il s'est vanté de sa faiblesse, car il avait compris qu'à chaque fois qu'il pensait dans sa tête qu'il était fort, il était humilié par le Seigneur, pas humilié dans le fait d'être humilié. Il était, comme on dit en anglais, be humbled. Il était comme, il était remis dans l'humilité, en fait. Voilà les termes. Il était remis dans l'humilité. Mais à chaque fois qu'il était faible, qu'il remarquait qu'il était faible, le Seigneur Dieu le soulevait et lui donnait encore plus de la force. Alors, Paul a compris que la puissance de l'Éternel agissait en lui, car Dieu lui-même a dit, au verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Aujourd'hui, nous avons deux catégories de personnes. Des personnes fortes d'esprit et de bien, et des personnes pauvres d'esprit et de bien. Dans la catégorie forte d'esprit et de bien, nous avons aussi des personnes fortes en bien matériel, mais qui n'ont pas d'esprit. Et nous avons aussi des personnes qui n'ont pas les biens matériels, mais qui sont forts en esprit. Alors, l'apôtre Paul ici essaie de nous faire comprendre que le Seigneur Dieu a agi à travers lui pour faire des miracles. Sa main n'a pas été courte avec Paul, mais Paul lui-même, en tant que serviteur de Dieu Tout-Puissant, souffrait d'un cancer. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour m'insouffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et ici, l'apôtre Paul est en train de raconter une histoire. Il y avait quelqu'un dans l'esprit, en Christ, qui était chez lui, qui priait, que ce soit dans son corps ou dans son esprit, Paul ne le sait pas. Mais il a entendu, il a vu, il a entendu du ciel, qu'un homme s'est retrouvé au troisième ciel dans le paradis. Un homme ordinaire, il s'est retrouvé au paradis. Et cet homme a dû entendre des paroles qu'il n'était pas censé écouter. Au verset 3-4, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est bien, aujourd'hui, j'essaye de vous dire qu'il y a des paroles qui ne sont pas permises à l'homme d'exprimer. Il y a des choses qui ne sont pas permises à l'homme de voir à l'œil nu, ou des méthodes qui ne sont pas permises à l'homme. Parce qu'il y a des dimensions et des dimensions. Comme je fais la catégorie des deux personnes. Dans les deux personnes, j'ai essayé de condenser un peu. Deux personnes, une personne riche, une personne pauvre. Une personne riche dans le bien matériel et il vit avec. Et une personne riche dans l'esprit, il vit avec. Et une personne qui n'a ni bien matériel ni esprit. Alors, on peut faire tout un charte. Le charte va se représenter pour simplement dire que nous pouvons retrouver notre faiblesse dans tout ce que nous avons. Personnellement, moi, je me trouve souvent assez faible. Je me trouve très faible. Quand je manque quelque chose, je panique facilement et je me mets dans ces modes de panique aussi facilement. Je les reconnais. Je ne fais pas l'homme fort. Je n'essaie pas d'être savant dans la littérature. Je n'essaie pas d'être savant dans les écritures de Dieu. Je n'essaie pas d'être savant dans ce que je ne comprends pas.
D'ailleurs, il y a, avec toute la technologie qui se passe, avec tout ce qui est comme condensé dans les affaires, et parfois avec de nouvelles applications, je me sens un peu en retard. Il faut rattraper parce qu'on est dans un cycle où des connaissances sont exploitées dans des centres de recherche et tout ça, il faut remédier à ça. On se sent faible dans beaucoup de choses. On se sent faible dans tout ce qu'on veut, on se sent très loin de tout ce qu'on veut parfois. Parfois, ça a l'air d'une lurette. Parfois, ça a l'air de ne jamais, jamais se réaliser. Je me rappelle encore, avant d'acheter ma maison ici au Canada, j'étais dans un appartement triplex et j'avais cette conversation avec madame dont je voulais faire comprendre l'importance de pouvoir faire une acquisition d'une maison. Et madame se sentait pas dans le besoin extrême de vouloir avoir une maison. Et j'avais cette frustration de vouloir la faire comprendre que nous avions besoin d'une maison. Je me sentais assez faible. Assez faible parce que je pouvais pas aller faire toutes ces démarches tout seul. Pas seulement que la banque voulait qu'il y ait un copropriétaire, mais une copropriété qui voulait aussi une maison. Alors, je me sentais comme prisonnier dans ma propre vie. Alors, jusqu'à ce que le Seigneur a touché le cœur de ma femme et finalement, à un certain moment, elle a accepté de participer et à 50%, 50%, nous sommes allés acheter notre maison. Bon, on n'a pas participé à 50-50, mais l'acquisition s'est faite à 50-50. Ça veut dire que le contrat que nous avons signé, elle est 50% propriétaire, je suis 50% propriétaire. On se sent faible dans tout. Et l'apôtre Paul nous démontre ici que la puissance de Dieu, car Dieu lui-même dit au verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, ici, mesdames et messieurs, quel type de faiblesse devrions-nous avoir? Faudrait-il qu'on devienne le plus faible de tous les faibles dans le maillon de la vie pour se retrouver sous la grâce du Seigneur, de l'Éternel? Ou c'est quel type de faiblesse qu'il faut avoir? Premièrement, le type de la faiblesse qu'il faut avoir ici, ce n'est pas une faiblesse bien déterminée. On peut, comme j'ai dit, il y a deux catégories de gens. Moi, je le mets en deux catégories et puis je peux faire toute une formule à gauche, à droite. On peut être faible d'esprit, mais dans les moyens financiers, on en a en masse. On peut être faible dans les moyens financiers, mais dans l'esprit, on est capable d'accepter ce qui se passe. Alors, dans tout et pour tout, les secrets ici, l'apôtre Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Cet homme a été ravi jusqu'au troisième ciel. Ça veut dire qu'il est arrivé au troisième ciel. Un gardien l'arrête. Un gardien du paradis l'arrête et dit, monsieur, où est-ce que vous allez comme ça? Oh, je m'en vais. Non, 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 vous n'avez pas la permission. Retourner sur la terre, qu'est-ce que vous faites ici au troisième ciel? J'étais en Christ, j'ai prié. Bon, écoute, c'est bon, félicitations, mais il est temps de retourner. Il a été ravi et il fut enlevé dans le paradis. Ici, il fut enlevé dans le paradis. La puissance que le Christ nous donne, c'est une puissance énorme. C'est une puissance, même lorsque nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons, nous sommes capables de nous téléporter dans des dimensions et aller voir des choses grandioses en Christ notre Seigneur, notre Dieu. Car la parole que Dieu nous donne aujourd'hui, la parole faite chair, la parole qui est devenue une chair devant tout le monde, c'est la parole de Dieu. Les événements, tout ce que l'Éternel Dieu fait pour nous, c'est pour nous donner, nous raffermir et nous redonner la force. Je sais que où vous êtes, quoi que vous fassiez, vous vous sentez peut-être seul comme moi. Vous vous sentez peut-être occupé aussi comme moi. Vous vous sentez peut-être submergé par les besoins incessants. Comme je vous ai dit, la technologie est en train d'avancer d'une manière très, très, très hallucinante. Et on est en train de voir un progrès dans beaucoup des corps de métier. Alors, cette pression finit parfois par nous stresser.
Nous sommes parfois stressés par cette puissance juste de la croissance technologique humaine. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de gens qui veulent toujours faire la différence entre les pouvoirs de Dieu et les pouvoirs de l'homme. Pourquoi je dis ça? Ils pensent que ce qui est dans un ordinateur, c'est scellé dans un ordinateur, Dieu n'a rien à voir dedans. Croyez-moi, c'est tout à fait le contraire. Le Seigneur Dieu peut flipper les images quand vous... Chers amis, c'est laissez ça aux petits magiciens et aux petits aux hackers là. On parle ici du Tout-Puissant Seigneur Dieu Tout-Puissant, OK? Alors, vous vous imaginez au chapitre au verset 19, vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Nous ne sommes pas ici en train de vouloir vous parler parce qu'on veut prendre de l'espace dans vos vies. Nous ne sommes pas ici pour essayer de vous éduquer ou de vous donner ce qui vous manquait dans votre éducation. Non, nous sommes ici pour partager l'espérance de la vie, l'espoir, la force, ainsi que nous soyons tous édifiés, édifiés d'une vérité que nous sommes tous copartenaires, d'une vérité et que Dieu est notre Seigneur. Il a créé ce monde. Il prépare un royaume. Il a un royaume dans lequel nous y sommes. Et nous sommes citoyens de ce royaume-là. Notre faiblesse à nous, nous devons les présenter au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dire, Père, je suis... Moi-même, je vous dis ici, je suis pas venu vous dire combien fort je suis. Je viens vous dire combien faible je me sens parfois, si ce n'est Dieu. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée telle que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. J'ai craint de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, de la calomnie, de l'orgueil, des troubles. J'ai craint qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à plaire sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions aux querelles qui se sont livrées. L'impudicité, l'impureté et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Chers camarades, amis et connaissances, la famille, vous qui aimez le Seigneur, vous qui écoutez, vous qui avez les dons, qui vous aimez d'abord la leçon de ma voix, je vous dis en vérité, ici l'apôtre Paul, il démontre un groupe de gens qui sont en train de faire le péché, mais selon ce qui est écrit, ce qui est dit, il bénit encore ces gens, il les bénit, car il dit « j'ai craint ». Qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet. Ça veut dire que le Seigneur puisse l'utiliser encore d'une façon aussi dramatique, positivement parlant, pour pouvoir apporter encore des signes et des réponses aux gens. Car cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Garder l'esprit ouvert, garder nos cœurs purs, c'est pas une chose facile. Je serai pas assez hypocrite devant vous, chers collègues, chers camarades, pour vous dire dans toute la sainteté de ceci, la sainteté de cela, non. Mais ce que je peux vous dire, gardez espoir et continuez de faire la lecture de la Bible. Continuez de croire qu'avant tout, qu'après tout, qu'au-delà de tout, c'est Dieu qui contrôle, que c'est Dieu qui est au pouvoir. Et que votre faiblesse est une passe au Seigneur notre Dieu pour qu'il intervienne, pour qu'il agisse, pour que ses anges, ses bien-aimés fidèles vous aident aussi. Car Dieu dit dans la Bible quelque part, « Suis-je le seul à ne pas agir ? Suis-je le seul capable de pouvoir agir ?
Quelque part, le Seigneur nous montre qu'il n'a pas seulement créé l'homme et les hommes et les anges et des autres dimensions, mais nous a tous créés dans la capacité de pouvoir agir. Et si vous, vous n'agissez pas lorsque vous voyez qu'il y a une faiblesse dans la structure, si vous, vous n'agissez pas lorsque vous voyez qu'il y a une faiblesse dans quelque chose, vous êtes aussi coupable que ceux qui sont dans la difficulté. Alors, je vous dis pas qu'il faut devenir comme des bons samaritains, gauche-droite, à courir à vous occuper de tout le monde, non. Ce que je vous dis, c'est que dans les meilleures de vos conditions, dans les délais les plus forts, essayez de trouver la force du Seigneur dans votre faiblesse. Par exemple, moi, j'ai travaillé et j'ai envoyé des signaux pour ce que j'ai cru, ce que je crois. Et lorsque je suis allé vers ces signaux, j'ai pas reçu de ces signaux ce que j'attendais de ces signaux. Et oui, je suis frustré, j'ai été choqué, j'ai été dérangé, je me suis senti faible. Mais le Seigneur prend encore ma main aujourd'hui que je vous parle, il est en train de réaffirmer encore ma position. Alors, je me dis, Seigneur, je préfère rester vraiment faible pour te laisser agir tout le temps que d'être fort et de me faire humilier par toi. Car j'ai été humilié et je reconnais mes erreurs et je me présente encore devant toi, ô Dieu Tout-Puissant, pour ne pas réclamer ma sainteté ou ma force devant toi, mais pour dire, Père Céleste, s'il faut amener ce message jusqu'au bout, aide-moi à compléter ce message et je sais que je peux toujours compter sur toi parce que des gros risques ont été pris et l'amélioration est là. C'est celui qui croit en Dieu, c'est celui qui reçoit la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, ici au chapitre 12, il dit, je préférerais me vanter sur ma faiblesse ou mes faiblesses. Car c'est à travers mes faiblesses que le Seigneur fait ressentir sa force. Je vous demanderai de faire des exercices de faiblesse. Vous vous sentez très fort, vous sentez ou faible? Si vous vous sentez faible, alors c'est une très bonne chose parce que le Seigneur Dieu est là justement pour ça. Si vous vous sentez aussi très fort, c'est aussi une bonne chose. Alors, je demanderai à ce que vous dédiez encore votre vie à l'Éternel, votre Dieu. Car c'est lui le maître des temps et circonstances. C'est par lui que nous avons la parole. Et je vais refaire la lecture une autre fois pour redonner une meilleure résolution de la compréhension. Aujourd'hui, je vous demande, chers camarades, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, de regarder votre faiblesse et de savoir que c'est par cette faiblesse que le Seigneur Dieu va nous bâtir encore. C'est par cette faiblesse que nous allons remonter et aller chercher de ce que nous avons, ce que nous croyons et les nôtres. Et lorsque nous aurons ce que nous voulons, sachez bien partager aussi avec les autres. Si tu as deux choses, tu as les moyens de pouvoir aider ta population, ton peuple, vas-y. Ne le fais pas pour la gloire, que ton nom soit tracé, qu'on reconnaisse, oh, que ce soit un adage ou une dette morale, une dette spirituelle, que le monde va s'en rappeler pour des élections, le monde va s'en rappeler pour un profit ou un profil qu'on a créé. Oui, nous avons tous ces besoins-là, mais c'est la faiblesse qui nous fait faire ça. On se dit, il faut se démarquer pour que le monde puisse nous faire attention à nous et nous donner ce que nous voulons. Et c'est la gloire, c'est la louange, et au plus grand haut niveau. Oui, ici, l'apôtre Paul avait la grandeur, il avait tout ce qu'il avait, mais il témoigne lui-même au verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Et ici, l'apôtre Paul nous montre que, avec toute la gloire qu'il avait reçue de toutes les églises, il était le dernier à atteindre l'apostolat parce qu'il n'était pas apôtre. Okay? Il n'était pas apôtre. C'est Barnabé et Silas, c'est Silas qui a été tiré pour remplacer Judas.
Silas a été tiré pour remplacer Judas. Donc les 12 apôtres ont été remplacés, donc le 12e apôtre a été remplacé par Silas. Et Barnabé était le compagnon de Silas. Donc l'apôtre Paul, quand il vient en troisième position, une position indépendante, une 13e position, je dirais même, une position indépendante pour laquelle il avait passé des années et des années et des années à étudier, à apprendre de ce que le Christ avait fait dans le monde et pouvoir faire une accumulation de données sur le Christ. Lui-même était écolier, pas seulement apôtre, mais écolier de Jésus-Christ. Il était disciple et écolier. Lui, il étudiait le Christ comme à l'école, parce qu'il était un homme de littérature, était un homme il avait beaucoup d'ouverture dans la littérature. Il s'est fait que, quand il a commencé son ministère, il avait une gloire énorme. Les gens, pas seulement ils savaient que le Paul qui tuait, mais c'est le Paul qui fait maintenant des miracles. Tout le monde l'avait beaucoup aimé. Les morts étaient ressuscités, les aveugles les voyaient. Il y avait une puissance énorme. Et là, pour lui donner une certaine limite, une certaine conduite, le Seigneur Dieu a laissé un ange ou un démon l'habiter, les posséder. Et c'était une tumeur de cancer. C'est de quoi Paul est mort. Paul, l'apôtre Paul est mort du cancer. Le cancer qui l'est rongé, qu'il a mentionné aux 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ici, il souligne l'excellence même de ces révélations. Il souligne la grandeur de ce qu'il donne comme métier, mais il souligne aussi avoir un ange avec lui qui ne le quitte pas des yeux. Il dort avec, il se lève avec, un garde-corps mis dans son corps sous forme de tumeur, un ange, ou je dirais bien un ange de Satan, je dirais bien un démon qui était avec lui pour être avec lui. Donc, en quelque part, si on va être dans les polémiques, l'apôtre Paul était un peu possédé. Donc, pas possédé, mais je vous fais un peu des polémiques, vous comprenez. La façon dont le Seigneur travaille, c'est une façon dont nous devons travailler. Dans toute chose, il faut savoir mettre ses limites. Si on dépasse même les limites de l'orgueil d'un homme, parce qu'un homme peut être orgueilleux jusqu'à un certain niveau, Dieu ne serait pas dérangé. Mais lorsque vous traversez l'orgueil jusqu'à un certain niveau, là, vous devenez hautain. Hautain, voilà les termes, hautain. Lorsque vous atteignez l'hautain, là, le Seigneur va vous humilier. Est-ce que l'apôtre Paul avait atteint l'hautain? Non. Mais Dieu dit, dans l'excellence même de ses révélations, dans l'excellence de ce travail-là, il a mis une limite pour rappeler à Paul que ce n'était pas par sa puissance, mais par la puissance de l'Éternel qui faisait ce travail-là. Ce n'est pas par ta puissance, madame, monsieur, mais c'est la puissance de Dieu Tout-Puissant. Car même l'Éternel Jésus-Christ a dit à Pilate, aujourd'hui, si tu as la puissance et la force de pouvoir me tuer, ça vient pas de toi, ça vient du ciel. C'est Dieu d'en haut qui t'a donné l'autorité sur moi. Sinon, si tu n'avais pas donné aucune autorité, tu ne seras pas là et tu n'aurais même point eu la chance de pouvoir me juger. Alors, chers camarades, chers amis, moi j'ai toujours resté avec vous, je reste toujours avec vous sur le point de savoir c'est quoi le pouvoir, c'est quoi la puissance. C'est quoi l'autorité de l'homme, c'est quoi l'autorité de Dieu. En quoi est-ce que nous sommes éligibles pour la puissance de Dieu et pourquoi nous ne le sommes pas? Alors, ça, c'est celle, la bénédiction de Dieu qui rend. Et c'est celle, la volonté du Seigneur qui nous donne la possibilité. Moi qui vous dis aujourd'hui, je me sens faible, ô Seigneur, aujourd'hui, je me sens faible sans toi, je me sens sans ta protection, je me sens perdu dans un monde, dans un désert immense où je n'ai même pas de l'eau
pour marcher. Donc, j'ai besoin de ton assistance, j'ai besoin de ta présence et je présente mes excuses les plus sincères. Pardonne-moi de mes péchés et continue toujours à sanctifier ton corps, ton esprit, tout ce qui est en toi pour que nous ayons la chance de survivre. Sinon, Seigneur, si tu le fais pas, nous ne serons pas vivants. Nous serons tous détruits, serons tous mis sous le feu, nous serons tous mis sous l'eau, car nos péchés débordent en tout. Nous n'avons aucune maîtrise dans rien du tout et nous prétendons être bons. Au fond, nous sommes que des hypocrites et des accusateurs des autres. Pardonne-nous nos offenses, ainsi, par ton amour, nous aurons la puissance et la force de pouvoir aller. Chers camarades, si mon message n'est pas un message criant, brûlant, c'est pour vous signaler que tout ce que nous avons, Dieu dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Nous avons une grâce énorme. Une grâce de nous tenir devant l'Éternel notre Dieu, pardon. Une grâce de pouvoir travailler dans ce monde. Une grâce de pouvoir rester devant nos caméras et envoyer des messages, même à ceux qui nous détestent. C'est une grâce. Même à ceux qui nous aiment, on les envoie des vidéos comme ça, ils regardent. C'est une grâce. Alors, je vous prie de trouver en vous une certaine façon de voir les choses. Nous avons demandé des promotions par-ci, par-là. D'autres ont répondu avec satisfaction. D'autres n'ont pas répondu avec satisfaction. Mais nous n'allons pas nous éterniser ici à faire la différence. On fait une différenciation entre les pouvoirs et l'autorité de Dieu. Les pouvoirs de l'homme, comme Dieu l'a donné, c'est un pouvoir restreint. C'est une promotion que Dieu donne. Mais les pouvoirs de Dieu, c'est l'ouverture. L'ouverture de tout ça. Face à face, l'ouverture de la grandeur de Dieu face à face. Il dit, ma grâce te suffit. Une grâce. C'est comme si tu venais chez moi, tu prends une pierre et tu frappes mon char avec. Au Québec, on dit char, véhicule, on l'appelle char. Si tu as ma grâce, je vais dire, mais c'est quoi ton problème? Non, 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 quitte là, vas-y ailleurs, c'est fini là, j'en ai assez, c'est fini. Mais tu n'as pas ma grâce, j'appelle la police tout de suite, on t'arrête. Je ne sais pas si l'enfant veut écouter le message de l'Éternel. Parfois, quand je prêche comme ça, l'enfant veut venir, mais maman a dit, n'allez pas, c'est quand même le temps pour papa, de papa de s'exprimer. Alors, chers camarades, je sais que vous m'aimez de tous vos cœurs. Je sais que ma voix, vous l'aimez, vous aimez. Vous qui aimez même ma voix, vous qui aimez ma présence, vous qui êtes dans l'Éternel, vous qui êtes dans le vrai Dieu. Vous qui croyez, vous avez vu des prophéties se réaliser. Vous avez vu la parole et la main de Dieu se réaliser. Et vous vous astinez d'y croire et de prêter oreille. Je vous dis, il est temps. Il est temps de prêter oreille, car la faiblesse que vous faites preuve, c'est une faiblesse qui peut vous coûter beaucoup. Revenez et rejoignez l'Éternel votre Dieu. Moi, je vous prêche pas des miracles et la fortune. Je ne vous ai jamais prêché de la fortune, car je sais que vous êtes déjà assez riche. Je pourrais partager des difficultés économiques. Je pourrais vous donner un peu quelques idées de conception ou de créativité pour que vous soyez créatifs. Là, c'est une autre chose, mais je vous dis en tant que fils de l'homme, serviteur de Dieu, pécheur comme tous les autres pécheurs du monde, sa grâce nous suffit, chers camarades. Sa grâce nous suffit. Seule ta grâce nous suffit. Ô Seigneur, seule ta grâce nous suffit. Ta grâce sur nos vies et la bénédiction, comme David disait, c'est comme de l'huile qui coule par-dessus nos têtes. C'est l'onction même de notre existence. C'est même la force et la cohésion de nos forces. Car ta grâce nous permet de vivre et de survivre. Ta grâce nous permet de continuer cette vie. Je te remercie, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'éternité, car tu écoutes, tu reviens en charge et tu prends en charge tes fidèles. Tu remets le point sur les i et tu redonnes l'espoir à ceux qui en ont
qui n'en ont plus. Que tes anges soient toujours avec nous, Père, pour nous réencadrer et nous donner, nous signaler nos limites pour que nous ne devenions pas hautains auprès de toi. Car c'est lui qui voit la grandeur de Dieu, c'est lui qui voit des actes s'accomplir, c'est lui qui voit les desseins de Dieu s'accomplir devant lui, c'est celui qui devait croire. Je crois en toi, Père, malgré ma faiblesse et mes faiblesses, et j'aimerais que ma faiblesse devienne ma force auprès de toi, ô Seigneur. J'aimerais que ma faiblesse ou mes faiblesses deviennent le point de contact et de force auprès de toi, ô le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ainsi, nous allons clôturer cette émission, chers camarades. Vous qui avez la chance de pouvoir rester devant vos petits écrans pour suivre cette émission, restez tournés, restez avec l'Éternel, votre Dieu. Lisez la Bible, ne lisez pas un passage ou deux passages. Je vous ai toujours exhorté de lire le chapitre au complet. Pourquoi? La lecture permet de dénouer les langues. La lecture permet de refaire votre force cérébrale. La lecture permet de remettre un peu la sérénité ainsi que la force aussi dans vos corps. C'est pourquoi le Seigneur Dieu nous a donné pas seulement la lecture, mais la lecture de ses paroles pour que nous soyons deux fois plus forts. Nous lisons selon l'esprit et la structure cérébrale et nous lisons selon la parole de vie que Dieu a mis devant nous. Chers camarades, chers auditeurs, chers spectateurs, chers amis et connaissances, vous qui, dans la délicatesse de toutes choses, vous exécutez la parole selon le dessein de votre Seigneur, votre Dieu, qui est aux cieux, qui est mon Seigneur, mon Dieu. Je vous remercie partout où vous êtes. Continuez à vous abonner massivement et restez tournés dans vos chaînes. Ici, c'est Douglas Chilombo, en direct de Montréal. Cette prière et cette lecture est faite pour le monde entier. C'est pourquoi l'exercice est fait, la prédication est faite en anglais, en français, pour nous permettre de nous comprendre dans une autre langue. Et aussi, comme je viens de souffler, il y aurait une émission qui s'en vient après celle-ci, mais ce serait faite en anglais pour l'audience des amis qui sont en Inde, nos amis qui sont partout en Inde, surtout en Inde, en Mongolie, par-ci, par-là, des Rohingyas, les autres, les Myanmar. L'émission serait faite en anglais pour pouvoir les soutenir dans ma prière et que le bon Dieu nous pardonne de nos offenses et que demain soit une nouvelle journée, une journée forte, une journée pleine de bonté, plein de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, par son nom, au nom de Jésus, je vous remercie et je vous bénis par la grâce du Seigneur. Amen.